On est avec Stéphane Meunier. Stéphane, c'est avec Ben de Torvic qu'on va vous retrouver dans le quintet de vendredi. Le cheval vient de s'envoler en étant déféré des 4 pieds pour la première fois au Sable d'Olonne. Oui, tout à fait. Le cheval a été déféré pour la première fois. Et qui lui manquait dans ses dernières sorties le plus pour bien repartir pour finir. Et il nous a montré que déféré des 4, ça l'aide à plus. Oui, il retrouve un bel engagement dans la foulée en tête sur les 2850 de la petite piste. Est-ce que ça va lui convenir ce parcours? C'est vraiment un cheval qui va bien sur les pistes plates. Il avait déjà gagné à Laval. Le profil de Laval ressort quand même au profil de la piste de Vincennes. Donc le cheval est vraiment engagé avec des prétentions. Vu sa forme actuelle, on peut même l'envisager aux premières places vendredi? Bon, oui, avec un gentil contrat qui connaît très bien. Le cheval doit vraiment être première chance. En plus, il pourrait être déféré à nouveau a priori? Pour être déféré à nouveau, il avait pris mon pied et il a pas fait une course dure la dernière fois, donc le cheval est très très bien et avec un driver qui se connaît bien et un parcours de plus. C'est quoi sa grande force à Ben de Torvic? On l'avait vu gagner en allant de l'avant, est-ce que c'est vraiment ça qui lui permet d'être très performant? Bah, c'est le Cojac du Béloué, c'est un cheval qui aime bien prendre le train. Il n'a pas vraiment de changement de vitesse, donc c'est vrai qu'il est quand même mieux à aller devant et à son rythme.